nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. A regular pint-sized atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Et coucou les Bibouxels, bienvenue dans ce que je pense être le 127e épisode du Stealth Project. Alors, je vous le dis, j'ai regardé la Solus parce que je me suis trituré dans tous les sens, je vois pas où ça pouvait être. Et en fait, je suis juste passé à côté, comme le gros ob que je suis, et que je possède également. Donc, attends, mais soit c'est bugué, soit il y a un problème, mais à un moment donné... Ah non, c'est pas là. Attends. Je vais reprendre mon téléphone en vrai. Parce que... Je suis plus sûr du truc. C'est une salle avec du papier peint bleu et doré. Ouais, c'est l'USS Constitution, mais je trouve pas la puce là. Donc visiblement, c'est pas cette salle, vu que le papier peint ne correspond pas. De toute façon, quand tu te repères au papier peint, c'est qu'il y a déjà un problème dans la façon dont tu abordes le jeu. Serait-ce ici? Je pense pas qu'il y ait de papier peint là. Mais il y en a là. Ah ouais, d'accord. Plus de guidage, ok. Bah j'avoue que ici, j'avais pas forcément fouillé là. Ok. Bah j'ai fait de la merde. Ok. Donc on remonte sur notre bateau, sur notre fief Rafio. Ça ne résout absolument pas le problème des câbles électriques, qu'on ne sait pas où on doit les poser. Vous avez vu qu'on est sorti, il faisait nuit, on revient, il fait jour. Hein. C'est-à-dire que pour trouver une puce, on a quand même mis notre pesant de temps. Allez, hop, on remonte. Oh là là, quel boloss. Voilà ce qu'elle dit. Oui. On chasse. Et merci Jerry pour ton resub de 14 mois. Alors tu n'es pas le premier, contrairement à l'habitude, Nalox a resub avant toi. Merci beaucoup pour tes 14 mois d'abonnement, Géry. Fidèle Bibouxel devant l'éternel. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Bon. Ah, mais la puce, j'aurais pu l'installer directement sur le toit. Bon, d'abord, on va essayer de résoudre le problème des câbles électriques. Ah, mais non, parce qu'il faut que j'ai le marqueur de quête. C'est ça qu'on s'était dit. Géry a banni Navix. On chasse quoi sur Fallout? On chasse des puces. C'est que c'est pas... Démerdez-vous. Mais merci en tout cas, Géry, pour ton énorme sub. Ça va être bientôt le tour de Ice aussi. Hein. Alors, la puce. Parler à Mr. Navigator. Bon, il est tout en bas. On va aller lui parler pour virer le marqueur de quête, là encore. T'as réussi à te retenir d'écrire le capitaine. Ouais, je sais que c'est contre nature, mais... Bon, on a mis on a réparé les câbles quelque part, mais on ne trouve pas les autres emplacements de câbles. Donc on va quand même continuer à scruter comme ça en descendant. Si ça me saute aux yeux, bah c'est GG. Ici on a réparé, ouais. Donc j'ai pas trouvé les autres pour l'instant. On va parler au navigateur, histoire de limiter les marqueurs de quête à l'écran. Où est le navigateur? Ça y est, le mec s'est barré. Excellent, vraiment. Il est où ce con? Il serait remonté sur le toit, cet Olébrius. Bon, je cherche mes câbles électriques, moi, en attendant. Merde, je peux pas prendre leur scotch, ça. Et vas-y, ça commence à me gaver, ça aussi. Donc ça, pour le coup, j'ai vu que sur la Solus, ils en parlaient pas. C'est un honneur de faire partie de l'équipage de cette vaisseau. C'est quoi? Je vais prendre les câbles électriques. Comme ça me fait l'objectif optionnel. J'ai pas pris un canapé requin au milieu de moi, contrairement à certains. Oui, non, mais c'est vrai, Ice, c'est vrai. Je n'en avais pas en question
Le pognon que tu lâches sur le stream. T'as fait un don de 20 balles ce soir sans aucune raison, hein, donc si tu veux, génie devant l'éternel. Bon, je vais allumer ma lampe, moi, parce que là, je sens que c'est l'âge. Je commence à être une personne âgée. Je ne vois plus l'environnement. Sans déconner. Tu vois, les gens qui découvrent le Stealth Project sur ces deux épisodes-là, ils doivent se dire, mais le mec est con, quoi, enfin. On voit bien qu'il y a des câbles. Ah, il y a des câbles électriques là, donc il peut le faire. Non, c'est pas la même chose? Énorme. Comment ça, relais énergétique? Pourquoi ça marche pas ça? Bah si, c'était ça, non? Non, mais si c'est pas ça, il y a peut-être encore une quête après, mais. Mais c'est les connards en fait. Et merci Ice pour tes 1000 bits. Oula. Merci Ice, merci à toi bro. C'est lundi en plus, on est en début de mois. Donc c'est pour ça que t'as fait ça, d'accord. Mais merci beaucoup bro. Bon, on va installer de nouveaux câbles électriques, voilà. En fait, les couvercles sont fermés. Il est là le piège. Donc s'il faut, je suis passé plein de fois devant des trucs. En pensant que. C'était des trucs que j'avais déjà réparés alors que non. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir là-haut. C'est pas ici qu'on monte. Très bien. Mais merci beaucoup, Ice, en tout cas. Ah bon, attends. Là, on est tout en haut, donc ça va pas. On va redescendre, du coup. Bon, celle-là, je suis plus ou moins sûr. Ah bon, c'est pas de ce côté. Que c'est celle que j'ai réparée en premier. Ouais, parce que je peux plus la rouvrir. Surmené à cause du manque de sommeil. Et du coup, j'ai plus de force et je peux plus marcher. Énorme. Il faut que j'aille dormir. La cabine du capitaine est à quel étage exactement? Je pense qu'elle est plus haute. On va dormir. Vu son niveau de puterie dans sa partie principale, elle a dû s'allier avec Mandy. Non, j'avais fait aussi avec les pirates dans la partie principale. Et je l'avais fait, Jerry. C'est juste que. Ça remonte quand même, j'ai dormi depuis, tu vois. Allez, bouge-toi le fion, sac à foutre. Quelle idée aussi de ne pas avoir repris mon stuff à large poche après être allé dans un air lumi. Tu sais comment elle finit? Oui, je sais comment elle finit, oui. Oh, des capsules. Bon, allez, hop. On dort. Parce qu'à un moment donné, merde. Hop, il faut manger. C'est là. Non, c'est pas là. Très bien. Je me suis fait une fausse joie avec ce truc-là. Quand même le trouver ce troisième bordel. Alors. Et ça marche pas alors. Mais j'ai bien l'impression que c'est ça, mais que juste c'est buggé de ouf. Alerte, c'est de maintenant
si c'est bugué, ça va être cool. Je vais essayer de parler au navigateur. Que je ne retrouve plus du coup. Donc le navigateur est pas là. Vu qu'il était plus en bas, je me suis dit qu'il était là. Ah si, il est là. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet émetteur? Diagnostic impossible. Aucun Mr. ND disponible pour analyse détaillée. Mission, obtenir l'émetteur radar Poséidon aux coordonnées géographiques spécifiées. Une prime supplémentaire sera versée après la réussite de la mission, monsieur. Ok. Alors. Ah, c'est là-bas, Poséidon. Ok. Ben, vous savez quoi, on va y aller. Hein. On va faire tout ce qui est pas câble électrique pour ensuite voir les câbles électriques sur la map. Parce que là. On va à la conserverie et ce sera très bien. Je sais plus si on a déjà clean ou pas dans cette partie. Donc je sais pas à quel point ce sera la merde ou pas. Ah bon? Encore. Mais c'est quoi ce... Oh. Non mais... Il m'emmerde. Objet SVAV là. Il y a la patte qui bouge encore lui. Ou clé, non, non. Je préférais pas prendre de risques. Bon, c'est ici la conserverie, de toute façon. Où est-ce qu'on est? Ah non, pas tout à fait, c'est après. Ah mais c'est pas la conserverie, enfin, ça doit être la conserverie. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est un peu plus loin, Poséidon. Prendre la musique qu'on a là, c'est un délire. C'est caché quand même, donc avant d'aller, calmez-vous. Ouais, je crois qu'on est déjà venu. Il me semble. Et les mémoires, c'est surtout des insectes qu'il y a de toute façon ici. Mais merde! C'est impressionnant, hein? Bah.
Bon, est-ce que... Alors attendez, parce que là où j'ai le doute, c'est est-ce que j'ai pas déjà ça en fait? C'est le brassard gauche. OMG, j'ai une deuxième pièce caméléon. Putain! Bon, bah du coup, j'avais quoi en jambière gauche, non? J'avais chance. Ah bah autant te dire qu'on s'en bat les couilles, hein. Au niveau des bonus, ouais. Bon, elle avait plus de def et tout, mais on s'en bat les couilles. C'est caméléon. On a une deuxième pièce caméléon dans ce stealth project. Et en cuir en plus encore, donc ça fait quand même extrêmement plaisir. Ah, ça c'est huge. Je suis trop chargé, hein. Putain, on voit pas. Ils ont changé le truc, mais c'est pas foufou, hein. Je porte un poil trop de trucs, mais je sais pas quoi jeter en fait. Électrique 9. Je vais avoir un stack de tick quelque part, je vais prendre ça, hein, ça me foutra des PV en plus et puis terminer. C'est un genre de shiny à moitié, un petit peu ouais. C'est quoi la musique en fond? Bah je sais pas, je sais pas du tout. Putain, j'ai du caméléon et bon. Ouais mais là, attends, bon attends, ça fait chier. Hop. Il faut vraiment que je repasse au réseau du rail après avoir fait le ISS Constitution, parce que là, c'est bon. Eh bien. Mais non, on saute! Waouh, what the fuck la maniabilité là. Bon. Bah, au final, on a récupéré certes leur connerie de puce là, mais surtout. Maintenant on va en profiter, hein. On a un stack qui tourne. Mais surtout, surtout, on a récupéré. Oh putain! M'a fait flipper ce con. Mais surtout, surtout le caméléon. C'est ça que je voulais dire, moi. Allez, on se casse. Non, non, en plus, ouais, adieu le caméléon. Je t'avoue que je me pose pas de questions. J'avais terminé. Et certainement Ice. C'est beaucoup moins drôle que ce que tu crois. Ah, j'ai une deuxième pièce caméléon, sans déconner. J'ai commencé à devenir bien irrépérable. Hein. Avec deux pièces, waouh.
Master Navigateur. Maintien du cap actuel. Ah, c'est là, ok. Ouais, bon, ça je pouvais pas, donc il fallait que j'aille le chercher de toute façon. Bienvenue à bord, soldat. Système de guidage fonctionnel à 100%. Prime versée. Mister Maître d'équipage requiert votre aide, monsieur. Ok, donc on retourne voir Mister Maître d'équipage. On va en profiter pour dormir dans la cabine du capitaine directement. Je crois qu'ils ont un établi d'armure aussi. Et salut pompote compote, salut toi. Oh putain, le deuxième loot caméléon. Il aura fallu plus de 125 heures de jeu quand même. Donc avant tout, on save. Bon, la musique du fight qui ne s'arrête jamais. Salut, Mister Maître d'équipage. Depuis le pont supérieur, on peut voir d'autres robots du Commonwealth flotter sur un océan de détritus. Ils sont apathiques. Ils errent sans vue, mais pas d'eau. Hurrah pour le capitaine et le constitution. Donc ils m'aident absolument pas. Mais... Ok. Et voilà, c'est ça que je voulais depuis le début. Et bien c'était là. Non, j'aurais dû réparer et recycler les câbles. Je suis con. Bon, il est où leur truc d'armure là? Je sais pas où il est. J'ai peut-être rêvé, ils avaient peut-être pas de truc d'armure, j'en sais rien. Mais il m'a semblé voir un établi tout à l'heure. D'équipage. Le sang de l'alimentation électrique coule à nouveau dans les veines du Constitution. Ces systèmes, trop longtemps sevrés, très sains courants d'électrons, reviennent enfin à la vie. De quoi, comment on avait fait ça, Ice? Veuillez recevoir l'expression de mes félicitations. Néanmoins, ceci a mis en lumière le fâcheux fonctionnement dans le réseau d'alimentation. Le réseau énergétique est en proie à des fluctuations alarmantes, je le crains. Et à ma plus grande honte, je m'en étais déjà plaint ouvertement. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. C'est un véritable don des sciences. Les bobines de ta gueule, Ice. T'es con. Et j'ai ri pareil. Sauront sans doute vous aiguiller vers le pot de vernis. Que les vents vous soient favorables. Donc il me faut des bobines de relais énergétiques. Pour le truc qui est là-bas. Ouais, ok. Par contre, le bon bug hein, sur les musiques de combat là. Ouais mais attends, parce que on va où finalement? Bah Bunker Hill. Ouais, c'est logique. On va les acheter. On a des capsules, on s'en sert jamais. Là c'est l'occasion. Que vous avez à vendre aujourd'hui. Et coucou Fouran, comment ça va? Il m'en faut combien des bobines? Ouais. Attends, je sais pas combien il m'en faut, donc 2 secondes, Deb. Une bobine. Qu'est-ce que vous avez à vendre aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'elle a déjà? Donc sprint, force endurance, et ça. Donc une bobine de relais énergétique, et voilà. Là on est bon. J'aurais peut-être pu réparer juste avec l'Intel en vrai, j'ai pas pensé. J'aurais pu vérifier et éviter à la fois ce déplacement et cette dépense, mais j'y ai pas du tout pensé sur le coup. De toute façon, je pense à rien, c'est un con. Un connard, moi, c'est tout. Quoi? Les bons freeze, hop. J'ai tellement envie de finir d'aller au réseau du rail, refoutre mes ombrages et équiper la nouvelle pièce caméléon et voir un petit peu ce que ça donne en termes de furtivité que là je bâcle un peu. Hein. Il fallait 5 d'Intel, je pouvais le faire. Bah du coup je vais le faire. Comme ça j'ai gardé le truc et puis voilà. Dis-moi que tu n'as plus besoin de rien. Le mec au bout de sa vie. Je vous le confirme, je n'ai plus besoin de votre... Le capitaine vous fait mander sur le pont. Il va s'empresser de vous couvrir de laurier à son tour, à n'en point douter. Louange et appréciation sur vous. Cette quête, tu peux la rush à l'Intel. Non, mais je sais, Jerry, mais tu sais à quel point j'en manque cruellement, compte tenu de mon QI. Ah là là. Capitaine Ironside. Vous avez fait des miracles au bénéfice de notre fier vaisseau. Malgré les provocations répétées des pilleurs d'épave, j'espérais encore pouvoir récupérer la puce de guidage sans violence. Il fomente sans doute quelques basses vengeances alors qu'il est. Oh bah là, il fomente plus grand chose, très honnêtement. Je voulais les épargner. Vous voulez les épargner ? Ils m'ont pas laissé le choix. J'ai cru comprendre que la notion même de diplomatie leur était étrangère. Mais vous avez fait votre devoir. Et avec les honneurs, j'aimerais vous récompenser de vos efforts considérables en vous confiant une ultime tâche. Nous sommes sur le point d'embarquer pour notre voyage sacré. Tu vas enfin me dire ce que tu prépares, oui ou non? Remplissez cette mission et je vous ferai part du pourquoi et, si vous insistez, du comment. En attendant, silence et vigilance sont de mise. Le navire a besoin des roulements de turbopompes qui se trouvent dans une usine relativement proche. Cette mission sera semée d'embûches, mais j'ai foi en vous et en vos capacités. Ah, j'ai la clé des quartiers du capitaine. Donc faut aller chercher cette merde maintenant. Très beau jeu de mots, Jerry, mais je relèverai pas. Une usine relativement proche, il a dit. Donc on est quand même... On est où? Je sais même pas où on est. On est là? En vrai, on va... Avant d'y aller, je pense qu'on va aller au réseau du rail. Là, c'est plus possible. Enfin, genre... Quoique... C'est Corvega. Je sais pas. Le problème, c'est le poids. Non, on va passer au réseau du rail. Parce que là, ça devient infernal. Là, tu me diras peut-être qu'on peut faire ce truc à l'Intel. On va tester à l'Intel. Mais non, parce qu'ils nous disent pas à réparer mes boules. On va trouver des roulements. Donc non, non, je suis con. Faut juste qu'on se barre en fait. On va aller au RDR. On va récupérer les grandes poches à la place du truc de plomb. On va préparer notre pièce caméléon et puis on ira à l'usine.
Mais je suis d'accord, il nous turbopompe un peu l'air, ouais. Alors, l'heure du drive, du coup, ça va être vers là-bas. Des grands sacs. Non, non, c'est des grandes poches, Rice. À force de lire le chat, regardez, je me coince dans le décor. C'est quand même fabuleux, ça. Plus Carrington va pouvoir nous soigner. Alors là, le souci, c'est qu'on ne peut plus rentrer par l'entrée qui n'est pas l'entrée secrète. On va même pouvoir valider la quête auprès de Dez, en vrai. J'ai tellement pas de points d'aptitude. Putain, et par contre les frises sont chiants. Je m'excuse par avance, faut que quelqu'un la fasse, je suis le seul à avoir une bite en état de marche ici. D'accord, bah j'attends tes cheers du coup. Turbo pompe ma bite, d'accord, très très bien Ice, merci pour tes 100 bits bro. On en a connu des meilleurs, hein, mais vu que tu t'es excusé par avance, on va dire que c'est... Mais non mais c'est où? Oh là là. J'aime pas ces recoins. Il y a des coins, il y a des recoins, enfin, c'est casse-couille. L'autre accès était tellement plus simple. Ouf. Bon. Attendez. Je vais redresser un peu le micro parce que... Je sais pas ce qui branle, mais... Voilà. J'ai dit à un pote que j'avais vu l'instant. Il m'a traité de mytho. Carrington veut vous dire un mot. Ah encore? Je l'emmerde, Carrington. Tu m'as connu quand j'étais tout petit? Je me souviens de rien. Bah, c'est compliqué. On a un nouveau défi à relever maintenant. Le grand nombre de synthétiques qu'on a cachés. Alors, donne-moi de l'XP, toi. Lucky, t'as tous mes morts. Bien. Je vous préviendrai si on reçoit des infos sur d'autres membres du gang LL. Nice! Allez hop! Dernier point d'endurance. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on pourra prendre après? Bon, les résistances sont utiles, quoi qu'il. La vitalité aussi, résistance chimique également. Non, pas celle-là. Truc radiation. Ça, voilà. Ça peut être utile aussi pour cut à travers le décor. C'est vrai que le mode survie, c'est chiant. À chaque fois que tu nages, t'as les radiations. Ça peut être pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Et après, je sais pas. Hein. Je pense qu'on mettra du charisme pour atteindre le chef local. Hein. Pour pouvoir faire les voies de ravitaillement. Est-ce que c'est casse-couille là sinon? T'avais la figurine en du. Je sais pas, Ice, mais c'est pas grave ça. C'est tant pis. Mais je sais pas. Est-ce qu'elle a une autre quête, Death? La fin est proche. Pas tout de suite. Il faut vendre le fusil au plasma parce que je m'en bats les couilles, mais de manière assez allègre. Les gars ont bossé sur quelques nouveaux joujoux. Vous voulez jeter un œil? Je vais jeter un coup d'œil. Voilà ce que j'ai. Alors hop, donc arme. Pourquoi ça me les a foutu là mes modules?
Donc je pense qu'elle est stockée dans le truc d'armes après. C'est pour ça que je pesais lourd en vrai. Bon, et qu'est-ce qu'il a de nouveau lui? Ça doit être des mobs, des mods. Je pense pas qu'il ait de nouvelles armes ou armures. On va voir. Mais à part ça. Ok, il a rien de fou. Très bien. Voilà. Ok, on va changer nos armures. Tout le monde doit rester concentré. Un illuminé antisynthétique en armure peut faire autant de dégâts. Alors. Large poche. Jambière gauche, elle est là. Attends. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Cuir ombré. Et pourquoi ça c'est en cuir traité? Ah non, j'ai confondu. C'est lequel qui en... Mais pourquoi ça c'est en cuir traité quand même? Attends. Elle est où ma jambière gauche en vrai? Ah, c'était sprint! Ah! Bon, ça reste moins bon, hein, mais. Donc ensuite, caméléon. Ombré. Silencieux. Voilà. Ça faudra l'équiper du coup. Donc ça c'est ombré et ça c'est large poche. Oui. J'ai eu ça aussi aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Donc ça on est bon. Ça. Voilà. Et il nous reste la jambe droite. Silencieux. Et voilà. Ou que ce putain de Carrington, non. Ok. Et là maintenant si je vais dans ma tenue. Donc ça en équipe. Double ruse, double caméléon et le plastron d'éther désolé qui est un bonus ruse si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il s'appelle plastron d'éther désolé. Triple ruse et double caméléon. On est quand même pas dégueu sur le stuff là. Je trouve dommage qu'en dehors de Far Harbor, il n'y ait aucun couvre-chef légendaire. Voilà, mais sinon là, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Hein. Là, niveau stat. On est quand même à 14 de perception, 11 d'agilité. Il manque de l'agilité, je pense, encore. Mais c'est quand même pas mal du tout. Hein. Mais il faudrait que je trouve de l'agi en plus, en vrai. Genre un couvre-chef avec de l'agilité ou quelque chose comme ça, mais c'est cool. Là. On va stocker ce qui est inutile. On va parler à Carrington pour se soigner, pour prendre sa quête. Et ce sera pas mal. Donc ça on stocke. Hop. Alors. Voilà. Hop, ça c'est bon aussi. Et là on est bon. Ok. On prend la quête, on se soigne et on dégage. Et on va récupérer les turbopompes. Vous avez des précisions à me donner? Le rapport du coursier est vraiment minimaliste. Mais espérons que ça suffira. Voilà où vous devez aller.
Bonne chance. J'ai même pas entendu le début de la quête, bro. Colis pour synthétique, ok. Ok, ok, ok. Les autres t'admirent, tu sais. Ça se voit. Ouais. Est-ce que tu peux m'admirer en foutant le camp de mon passage, fiston? Parce que là, c'est casse-mur, là. Je le dis comme je le pense. Il m'a pas soigné, ce con de Carrington, merde. J'ai beaucoup de travail. Alors, à moins que vous ayez besoin de mes compétences médicales, allez embêter quelqu'un d'autre. Non, non, on se soigne. Ouais, à chaque fois, radiation, santé, pour éviter les infections et les boules. Et voilà. Bon, c'est nice, en vrai. Double caméléon, franchement, ça régale. C'est terminé. D'autres soucis ? J'ai pris quelques mauvais coups ces derniers. Ah. C'est terminé. D'autres soucis ? Non, c'est bon. À l'avenir. Hop. Allez, à la prochaine, les losers. Et on ne va rien ou du coup, du tout, du coup. En vrai, là, tant qu'on n'a pas un vrai gros écran de chargement, ça va être chiant parce que la musique va pas changer. Et que la musique de combat pendant une demi-heure, ça va 2 minutes, quoi. Mon rat de cerf est toujours actif là. Ouais. C'est pour ça que je peux autant porter. Parce que j'étais à plus de 300, je me dis what the fuck. Quel combat contre Carrington faisait-vous pour stopper la musique? TG, j'ai t'as oublié un truc, 14 000 petits points. Oh Carrington. Connard. Allez, on va visiter Corvega. N'empêche que le rat de cafard légendaire vienne me sortir un caméléon comme ça, c'était inespéré. Par contre, si l'écran pouvait charger, ce serait pas mal. Voilà, merci. Énorme. Bon. De toute façon, c'est full nord. Ouais, nord-ouest. Ok. Ou Carrington en Riot. Bah, Riot, hein, go les mecs, revenez-vous. Vous avez le droit d'manifester publiquement votre mécontentement. Tout autant que j'ai le droit d'ignorer publiquement. Enfin, c'est ça qui va dans la liberté. Je vais me faire strike la vidéo YouTube parce qu'il y aurait de la musique tout le long, ça. Alors c'est la musique du jeu. Merde à la fin. Il y avait un autre là-bas. Oh là là, qu'est-ce que je suis mauvais. Là, la musique s'en va juste plus du tout. Donc il faudra attendre qu'on change de zone en fait.
Dans un grenade en 3 parties. Bref, partie 1, ouais, d'être bête. Je les voyais pas si près de Lexington. Attends, il est où le point de contrôle là? Faut regarder les munitions pour le riot, bah ouais. Mais les mecs, rien ne vous oblige non plus à vous unir contre moi. Bon. On retourne à Corvega, j'en veux plus de la musique des combats, je vous jure. Hein. C'est fini? Genre elle a une fin? Non, elle recommence, très bien. Ce sniper d'élite, bah c'était pas dégueu là. Allez, on va à Corvéja. S'il vous plaît. Arrêtez avec cette musique. Le mec, il devient fou, tu sais. Vous vous rappelez le stress là, les premières fois qu'on était à Lexington? J'étais en mode putain, on va mourir, il y a quand même deux ghouls là. Et maintenant, genre, yo, salut les super mutants. Tchou, 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 tchou. Vous vous rappelez quand on s'était arrêté là pour trouver des antibios? Ça remonte, hein. C'était les 10 premiers épisodes d'Easter's Project. Le chemin parcouru depuis est assez insane quand même, je trouve. C'est beau les projets long terme comme ça dans le monde du Twitch streaming, you know? Je trouve. Est-ce qu'il y a des pillards qui sont revenus? Oui, la réponse est oui. Yo! Allez, yo! Je m'en fous, moi je suis caméléon x 1000. Les débuts étaient durs. Ah, le début. C'est mort en boucle au musée. Ouais, ouais, le gorcheur était pas facile. Hein. Non, mais reviens, Pablo! Il est où, Pablo? Ah, il est là. Oui, mais Pablo aussi. Tu fais genre, tu te mets à courir, mais tu sais pas de quoi tu te protèges. Donc ça n'a aucun putain de sens. Tu t'en rends bien compte, ça. Allez, on rentre. Un gros chargement? Non, c'est un petit chargement. JPP, bordel. Le mec va finir full caméléon. J'en suis déjà à la moitié. J'ai la full camé. Bien joué, Ice, j'avoue. Non, attendez, merde. Merde. Putain, c'est chiant cette histoire de caméléon quand même. Ça, c'est lequel? 10% en visant. Et ça, c'est 50% en membre. Ah bah, on va prendre ça. Je sais même pas, c'est à l'étage, ok, très bien. Mais où est l'escalier? C'est la vraie question.
Non mais, parce qu'en fait toi, à la base, je vais pas te tirer dessus. Non mais, attends Bernard, parce que là tu fais le malin, mais... Voilà. Toi aussi. Au départ, moi je voulais pas de mal les mecs. Voilà, les biscuits par terre, moi c'est tout ce que je voulais. Hein. Je voulais faire ma collation. Donc calmez-vous. Oui, ben, je suis là forcément. Je suis pas disparu. Toujours des promesses. Hein. Ça, c'est typique des pillards. Un jour, je suis sorti avec un pillard, le mec avait promis une voiture, un voyage en Italie et tout. Et puis finalement. Par contre, trêve de saloperie, j'ai aucune idée de vers où faut aller. Non, mais pas, par contre, tu es coincé. Frère, t'es un pillard. Je reviens de la mer Lumi, moi. Donc à un moment donné. Pillard, trash, ouais, ça me dit de ça, quoi. Vous êtes où, les copains? Parce que moi, si je dois monter, faut pas que je descende. Voilà, salut. Ah, nice. Bon. Ça doit être vers là-haut que la hauteur existe. Cette phrase est bizarre. Parce que là-haut, il y a une porte. Mais là aussi, il y a des portes. Et là, c'est le côté... Attends, il n'y a pas une histoire d'ascenseur ici? Non! T'aurais dû verser par un souterrain, il y avait une belle surprise luminescente. Mais non. L'usine Corvega, c'est un vrai labyrinthe quand même. Un labyrinthe, ouais. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas loot lui. Yo. Voilà. Vous laissez ses œufs aussi. En fait, c'était calculé pour loot les mecs, t'as vu. MDR. En vrai, j'aurais pu monter par l'extérieur et atterrir directement ici. C'est une réalité qu'il ne faut pas se leurrer. Il est déjà 21h27, hein. On va essayer de trouver les transpompes, là, je sais pas quoi, et... Enfin, les pompes transgenres, mais boules, et puis après, on se casse. Je rêve ou je me fais agresser par des lumières, moi? Dormir comme ça. C'était le radis que je voulais prendre aussi. Les turpompes à bits, ouais, exactement. Et merci Alice pour tes 100 bits. Mais attention de quoi, putain, je vais pas pouvoir dormir encore là. Ouais. Oh là là. Elle est où cette conne? Il n'y a pas de porte là-haut, on est d'accord. Ah oui, non, il y a... Ah si! Voilà. Une turbopompe, ça vit à 4 chiffres, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'Aïs là-dessus, t'es limite un aspirateur Dyson. Ouais. Attends, mais t'es sérieux toi, frérot? J'arrive tranquille et toi tu me marres comme ça? Bon, toi je t'ai vu là-haut. Où est-ce que t'es passé? Marche bien le caméléon, hein, vraiment. Plaisir.
rien, je m'amusais bien, moi. Ben moi aussi, je m'amusais bien. Je suis pas là pour m'amuser, malheureusement. Je lui ai mis tellement de proc, là, je pense, que le mec a dit, bon, pff, même sa mort, ça l'a souhaité. Là ils me disent d'aller là mais ouais je suis pas certain du projet moi. Jerry tu t'es fait soulever là, on peut pas le nier en termes de répartie. Ah et ça a été meilleur. Et merci Ice pour tes 1000 bits. Turbo bit quadri numérique alors. Merci à toi Ice. Par contre, ça m'explique toujours pas où je trouve ces putains de trucs. Donc là, on y était tout à l'heure. Non, mais en vrai, je sais que c'est un autre accès quelque part. C'est pas possible que ce soit... là mais oh là, ils sont fatigants. Mais j'ai envie de manier le chiant hein, parce que l'épisode il va bientôt faire une heure tout ça là, on est bon. Quand même pas compliqué de trouver une turbopompe. Merde. Comment ça me pomper cette quête. Ah bon. On est là-dessus. Et attends qui me tire dessus là exactement. D'accord, donc il y a un mec là aussi. Calme-toi. Celui qui était là-haut, il est où? Ah, il est là, pas. Bah oui, mais mec, t'étais coincé. Dis-toi que je t'ai décoincé. Bah alors, après, ok, tu t'es pris une barrière et tout, mais à la base, c'était pour te décoincer, mec. Pour t'aider. Mais attends, copain! Et voilà, maintenant il est parti. Je le reverrai plus jamais. Bon, écoute, quand je suis en train de loot de la brioche. On me laisse tranquille. Le brioche time est un temps précieux. Non mais maintenant je suis trop haut, putain. Oh mais... Pourquoi il se cache aussi lui là? On va jamais parler de pompage intellectuel. Vous parlez de quoi? Putain, dans la fémorale, maintenant ferme là. Et c'est toujours pas comment on accède à ce putain d'endroit. Là ça fait quand même assez haut pour descendre. Un poil quoi.
T'es très inspiré. J'ai repompé une vanne, moi ? Pas fait exprès. C'était laquelle, la vanne ? Mais là, c'est bien relou, cette quête, quand même. Et là, c'est vraiment dedans, quoi. Putain, mais comment on y va ? Je sais pas, merde, il doit bien avoir un accès qui débouche limite là où je dois être en fait. La vanne sur les pompes. Quand j'ai dit que ça commençait à me pomper. Ou une autre. Parce que des vannes sur les pompes, il y en a eu deux ou trois quand même là. Tiens, dans l'oignon. Elle a chu la dame ? Ah, elle a chu, mince. Quand tu te pointeras, je te tuerai. Parce que là, je peux rentrer quand même, on est d'accord. Il y a une chaîne ah, de bah non. Côté. Ah, ok, c'est bon. T'arrives, mais t'as cru que tu es dans un monde chelou, toi. Bon. Le mec par des coups de hook. Ah non, mais le mec, frère, il a des bras à côté, moi je rivalise pas. Là, ça m'emmerde. Très honnêtement, Corvega, c'est toujours un bordel. Pour la peine, j'ai mangé un bonbon, ça. Parce que, en vrai, il y a l'endroit à la fin, là. Mais je sais jamais comment on y va. Ça va péter.
quand même. Et c'est Leon Shaddock, alors je sais pas, je parle pas Bulby moi donc. Je parle pas en onomatopée. Oh putain! Je viens de comprendre, Ice, ton bot. Et salut Brunette, salut à toi, je t'avais pas vu, désolé, bon. Et à plus du coup. Donc ouais, les Shaddock qui pompent, ok. Donc c'était ça la vanne en fait, et j'étais un bot, ok. En tout cas un alt. Là c'est l'endroit où j'avais fait mon premier passage du marchand de sable. Mais ça me dit toujours pas où je dois aller en fait. Là c'est le dehors avec l'entrée devant. Là on va essayer par là hein. Une sortie peut-être différente. Non mais sans déconner. Merde, je suis tombé. On va faire une pause là-dessus parce que l'heure tourne. J'ai pas envie que l'épisode soit excessivement long. Donc on va faire ça comme ça. Mais là, ça devient n'importe quoi. Donc, c'est la fin de cet épisode. On essaiera de se repérer dans Corvega après. Vous faites des bisous. YouTube, du coup, bah si ça vous plaît, n'hésitez pas à venir sur les streams. Vous avez tous les liens qu'il faut dans la description. Le lien vers la chaîne Twitch, vers les réseaux sociaux, vers le planning, tout le reste. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Et désolé, là, ça fait quelques épisodes que c'est un peu poussif. Mais c'est vrai que j'ai envie de clean un petit peu tout ce qu'il y a à faire en Commonwealth. Mais c'est des zones qu'on connaît peu ou qui remontent au début et tout. Donc... j'en connais pas les maps par cœur, mais ça va se débloquer, puis on finira par aller à Nuka World. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt YouTube.